Son nom est évidemment sur toutes les lèvres aujourd'hui. Il est déjà Pichichi de la compétition, mais il peut encore creuser l'écart. On va voir ça ensemble tout de suite. Salut à tous, très heureux de vous retrouver ici à Manchester, à l'Etihad Stadium. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva est donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. Et donc au programme, ce huitième de finale d'Emirates FA Cup, Manchester City contre Norwich City. Le statut des favoris, c'est flatteur et c'est même plutôt justifié. Mais l'équipe locale ne doit pas se laisser bercer par... Une grosse opportunité, attention! Wow, c'est incroyable! C'est exceptionnel! C'est somptueux! Golazo! C'est pas possible ce but! Moi je pensais que le ballon allait partir en touche ou en 6 mètres. Et ça finit au fond des filets. Mais c'est ça aussi le foot. C'est marquer des buts alors que tu voulais faire autre chose ou que tu étais en train de tomber. Donc au tableau d'affichage. Voilà une bonne défense. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Excellente intervention. Un corner qui est bien ajusté. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Ah, la différence est faite. Ballon vers De Bruyne. Goal! Quel ciseau! On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire. Et claqué en bon tir. Allez, deuxième but donc pour cette équipe. Ça fait 2-0. Bien fait ça. Sans faute. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Oh oui, la frappe. Et le but de Kevin De Bruyne. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et le match qui reprend, City se balade dans cette rencontre, déjà 3 buts d'avance. Les stats nous montrent que la possession est pour Manchester City. Et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça perd. Oh, le chef-d'œuvre, la merveille, quel but, ce ciseau acrobatique, mais quelle inspiration! Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé ! Ah, c'est la punition. 4-0 au tableau d'affichage. Hey, la grosse intervention là. Eh oui, magnifique pour effacer l'adversaire. Florian Wirtz avec le ballon. Excellent tacle pour la récupération du ballon.
Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Le ballon pour Rodri. La belle reprise, elle est vraiment pas loin de faire se lever le stade. C'est manqué et l'action ne donnera rien. Et voilà, ça sort en touche. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. Encore 2 minutes à jouer et ensuite tout le monde au vestiaire. Et peut-être un bon contre à négocier là. Et donc on va en rester là, c'est la fin de la première période. Et donc début de cette première période. Une grosse opportunité, attention! Wow, c'est incroyable! C'est exceptionnel! C'est somptueux! Go! Excellente intervention. Ah, la différence est faite. Ballon vers De Bruyne. Le score qui penche clairement en faveur de Manchester City. Voilà le début de la seconde période. Attention, voilà un bon duel. Ah, il y a encore danger. Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Ruben Dias. Ruben Dias. Alors, prochainement, après ce match, nous nous retrouverons pour un rendez-vous de Première Ligue. Manchester City. Et attention, son ballon dangereux! Et le gardien se déploie sur cette parade. Et voilà, le changement s'effectue. Le corner de De Bruyne. Oh, il tente un retourné. Belle tentative. Dommage. Il est presque fait un petit bisou au poteau. Il passe en très près, pas loin du tout. Les chiffres disent très bien ce qu'on voit, que c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions avec une efficacité exemplaire. Face à face avec le gardien. Ah dommage, parce que ce ballon là est gâché. C'est une occasion en or et ça finit dans les bras du gardien qui n'a pas eu grand chose à faire là-dessus. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Un centre bien détourné par la défense. Ouais, c'est un pressing efficace. Oh là 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 là, et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus, ça tourne à l'humiliation cette histoire. Oui.
Voilà ce qu'on voit ici, c'est une mauvaise prise en formation qui entraîne ensuite une réaction en chaîne avec une perte de balles et surtout un but. Et voilà un match complètement déséquilibré, 5 buts à rien. Ouais, facile, ça passe. Ah, c'est mal géré ce duel. Parfait, ce tacle dans la surface. Eh oui, splendide pour éliminer l'adversaire. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et c'est le moment de déclencher. La contre-attaque était vraiment très belle, mais la finition alors... C'est embêtant que ça finisse comme ça. Tout était bien fait, sauf la conclusion. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Une bonne intervention pour éloigner le danger. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. C'est contré sans problème. Ah, il peut prendre sa chance. Et oui, c'est dedans! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse! Ah, le jeu reprend et le score est donc de 5-1. Sesko. Et l'avantage est laissé à Manchester City. Oh, ça peut aller au but. Allez! Et encore un nouveau but. Quelle punition! Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite, c'est magique. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, apparemment, il y a une position de hors-jeu. Ouais, ballon perdu par les Citizens. Et c'est donc terminé dans cette rencontre. Le parcours se poursuit pour Manchester City avec la qualification. C'est une qualification qui mérite toutes les éloges parce qu'elle est faite avec... La grosse opportunité, attention! La grosse opportunité, attention! Waouh, c'est incroyable! C'est exceptionnel! C'est somptueux! Golasso!